nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, vendredi 26 janvier dernier, à la tribunal militaire garnison de Kinshasa, il y a eu ouverture de l'audience publique contre les bandits urbains communément appelés Kuluna. Cette audience a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus. Regardez. Ces militaires ont tenu, il écope de 10 ans de prison, assorti d'une amende de 2 000 $ au titre dommages et intérêts pour dissipation des munitions et tentative de meurtre d'un sergent de la police des circulations routières dont les images ont enflammé la toile. À l'issue de cette audience foraine tenue au tribunal militaire au camp Kokolo et qui a connu la participation du commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Autre audience foraine, c'est celle à la place du bâtiment abritant le ministère, appelé Tembe na Tembe, où sont jugés les présumés inciviques et autres bandits à main armée arrêtés par la police nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine. Justement dans le cadre de cette opération, la police, ville de Kinshasa, a lancé à travers le général Blaise Kilimbalimba une vaste opération pour traquer ces inciviques, une détermination affichée pour mettre fin à ces phénomènes qui prennent des proportions inquiétantes. Par ailleurs, plus de 50 inciviques, dont 16 bandits opérant avec armes de guerre, parmi eux certains en provenance de la province du Congo central, sont tombés dans le filet de la police, tous présentés ce week-end devant le commissaire divisionnaire adjoint, y compris les fauteurs de troubles au stade Tata Raphaël, lors de la rencontre opposant la SV Club de Kinshasa à Sangabalende. Une chose est vraie, qu'ils seront tous déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Pour atteindre les objectifs. Nous avons élaboré un programme, un calendrier pour les différentes rencontres qui viendront parce que nous devons nous réunir pour échanger, réfléchir comment améliorer notre secteur en tant que femmes. Comment apporter notre plus ceci et notre soutien au président de la République dans les secteurs d'activité qui sont les entreprises publiques. Ça a été une journée bien enrichie et nous allons continuer à échanger comme je l'ai dit et nous espérons que d'ici va ressortir beaucoup de résolutions et si pas des réformes pour améliorer particulièrement le secteur public parce que nous sommes mandataires publics. C'était une première rencontre. Les femmes mandataires vont ainsi se réunir régulièrement dans le but de garder un élan de détermination dans la bonne gestion des entreprises publiques. Et la nouvelle année 2024, une belle occasion pour les entreprises, associations et autres organisations de se retrouver pour présenter le bilan de leurs activités. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, n'a pas dérogé à la règle à travers la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo, dirigée par Espérance Belaou, a organisé une cérémonie d'échange de vœux. Ce fut un véritable moment du donner et du recevoir. Regardez. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, cette véritable plateforme entrepreneuriale à travers la Commission nationale de femmes, a eu l'honneur de convier le président du conseil d'administration de la FEC, les membres du comité de direction et responsables des commissions, organismes internationaux, partenaires et plusieurs invités pour une cérémonie d'échange de vœux. Hormis son aspect protocolaire, cette rencontre a permis à Espérance Belaou, la nouvelle présidente de cette commission élue par ses pairs, à définir son mandat et présenter les grandes lignes des actions à mener cette année. Montrer à notre, non seulement à notre président national, d'ailleurs qui venait d'être élu depuis le 28 novembre de l'année passée, montrer aussi à nos partenaires tant techniques, financiers, les dynamismes de la CNFE, tout ce que nous avons eu à réaliser et surtout rendre hommage aussi à notre, à la deuxième vice-présidente qui fut la présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs pendant 10 ans. Nous avons cette obligation, moi-même et mes vice-présidentes, d'accompagner cette œuvre et de le mener encore au plus haut. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est l'épine dorsale et la femme de la FEC, elle se bat pour justement rayonner au milieu des hommes, au niveau de notre fédération. Cette commission, longtemps présidée par Eliane Moukeni, deuxième vice-présidente de FEC, avait cédé le bâton de commandement à sa successeuse. Aujourd'hui, elle s'est dit heureuse et satisfaite. J'ai préparé ma dauphine pendant 10 ans.
C'est pour vous dire que les gens pensent que c'est facile hein, de remplacer quelqu'un. Non. 10 ans, depuis 2013, j'ai préparé Madame Espérance Belao. Et aujourd'hui, je pars, je n'ai même pas peur, je n'ai même pas d'instruction à donner. Parce que je sais qu'elle sait ce qu'elle doit faire, des points forts et des points faibles de la CNFE, Madame Espérance connaît. Présente à cette première cérémonie de l'année 2024, le président national de la FEC, élu et investi au mois de novembre dernier, a promis d'accompagner cette commission dans la matérialisation de son plan. La Commission nationale des femmes entrepreneurs est l'une des 19 commissions structurelles et fonctionnelles de la FEC avec mission d'encadrer, de former et de mener les plaidoyers pour la femme entrepreneur congolaise. Il est nouvellement promu à la tête de l'OCCO Katanga. Freddy Ngumuja a effectué une visite de travail à Kasumbalesa, Makambo, Sakanya, Lonchi et Mwenda dans le but de donner les nouvelles directives à ses collaborateurs. C'est dans l'enceinte de l'Institut Tusaidiane de la cité Jekamine Kapata de la ville de Kolwezi que s'est déroulée l'activité liée à la sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines. Ça s'inscrit dans le cadre du projet de combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt en RDC, Koteko en sigle, initiative de l'Organisation internationale du travail. Tout d'abord, c'est Madame Nombana, chef du projet Koteko, qui a prononcé son mot de circonstance. Le chiffre ressorti du système de suivi et de rééducation des enfants, que nous appelons SSRPE, mené en 2023, a dénombré 769 enfants, dont 479 filles et 293 garçons, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, sur 3 sites liés qui sont Tapata Kamilombe, UCKTREN et Chala. Il nous faut donc déployer de multiples approches pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants dans les mines. Elle sera suivie par le ministre provincial du budget, Mathieu Kazembe, représentant la gouverneure empêchée. Il a ainsi salué cette initiative qui combat la présence des enfants dans les mines. Il s'en suivra sketch, chant, poème, illustrant le danger lié à la présence des enfants dans les mines par les élèves de l'Institut Tusaidiane. Des messages adressés aux autorités ont été ensuite lus. Aidez-nous à lutter contre le travail des enfants dans la mine, dans la carrière, pour l'avenir de la RDC et pour l'avenir de ces enfants. Je vous remercie. Maman Fifi, votre lettre va lui arriver dans les quelques minutes qui suivent. C'est en toute convivialité que s'est clôturée cette manifestation. Et la multinationale Barrick, avec sa fille Kibali Gold Mining, se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% des marchés de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. La RESPE annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants. Joël Makela. L'on peut dire, ça y est, l'option est levée dans les dossiers TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. C'est qu'il y a une société qui est dénommée TCFF. Cette société détient presque 90% des marchés au sein de Kibali Gold, sous-traite à son tour tous les sous-traitants congolais qui prélèvent plutôt un pourcentage de 5%. Ça, ce sont des effets qui ne peuvent pas être acceptés ou tolérés. Nous avons demandé à Kibali Gold d'éradier d'abord TCFF dans son système. Et ici, chez nous, au niveau de la RSP, nous allons retirer TCFF dans le système de la RSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés de Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. C'est le combat
du président de la République, chef de l'État. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous devons travailler avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir à les objectifs de faire partir de la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, le DG Miguel Cachal est déterminé à faire appliquer la loi sur la sous-traitance comme il se doit et selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'auditorium de la direction générale de la Régie des eaux a vibré hier au rythme d'un moment de consolidation de liens entre le comité de gestion et les agents et cadres de cette entreprise. La direction générale a saisi cette occasion pour exhorter son personnel à l'unité et au travail en vue de l'atteinte des assignations de 2024. Serge Matin nous en parle. L'objectif de cet événement inédit était de renforcer la cohésion fraternelle au sein de la grande famille Régie des eaux, devant l'ensemble du personnel, et ce, en présence du directeur général adjoint de la Régie des eaux et de quelques membres du conseil d'administration, ainsi que de la délégation syndicale nationale. David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des eaux, a adressé un bilan positif, mais au-delà, David Chilumba Mutombo a exhorté l'ensemble du personnel a travaillé davantage en vue de satisfaire les besoins de la population en desserte en eau potable, bien avant de transmettre son message des nouvelles langues aux agents et cadres de la Régie des eaux. L'année 2023, c'était une année encourageante pour la Régie des eaux. D'abord, on a fini avec un bilan positif, parce qu'il y a plusieurs années, la Régie des eaux n'a jamais terminé une année fiscale avec un résultat positif. Nous, on a terminé avec un résultat significativement positif. Nous voulons construire sur ces jalons-là, cette fondation-là, pour construire une compagnie qui va toujours avoir des performances beaucoup plus meilleures que ce que nous avons déjà réalisé en 2023. Maintenant, il faut la performance qui accompagne la desserte en eau potable pour que le client, l'abonné, puisse avoir un service de qualité, une eau de qualité. Tout en appelant les agents et cadres à la prise de conscience et la détermination, les représentants du président du conseil d'administration empêché a mis un accent particulier sur l'esprit de travail qui doit caractériser tout un chacun. La fin de la cérémonie a été marquée par une photo des familles, question d'immortaliser cet événement, ainsi que par un cocktail. Et cette page noire, avant de boucler complètement ce journal, le ministre de la Communication et des Médias a rendu un dernier hommage ce samedi 27 janvier 2024 au feu Damien Pierre Bongo-Polo, décédé le 16 janvier dernier. Selon Patrick Mouyaya, le défunt avait un plan de canalisation de Bandalungwa. Gaëtan Magalano. La personne que vous avez eue aujourd'hui est morte par le Seigneur. Et nous sommes sûrs au rendez-vous du ciel, pour ceux qui s'effondreront comme lui, nous les retrouverons dans le ciel. Ces quelques mots du ministre Patrick Mouyaya décrivent qui était réellement Damien Pierre Bongo-Polo, désormais ancien président du conseil municipal de Bandalungwa. Papa Bongo était un papa pour nous tous. Et pour moi particulièrement depuis plusieurs années. Il y a Sylvie, Eric et tous les frères qui sont ici, on a commencé des parcours ensemble. Et des hommages qui lui ont été rendus aujourd'hui, la présence et notabilité, comme Papa Kimbeo, Papa Bachi, de vos promesses illustrent la vie de l'homme qu'il a été. Son corps exposé durant cette messe de Requiem en la paroisse Saint-Michel, paroisse qu'il a développée en lui, le sens de l'écoute de l'homélie. En
prononcé samedi 27 janvier 2024 une homélie de circonstances édite par l'orateur du jour, deux enseignements qui serviront de leçon à l'assistance venue partager la douleur avec la famille et pleurer. Décoré à titre posthume par le bourgmestre et les scouts, l'homme a incarné des sons vivants de valeur pour sa communauté. Décédé le mardi 16 janvier 2024, le corps sans vie de cet ancien directeur principal du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelé reposera désormais à la nécropole entre terre et ciel. Et ce communiqué nécrologique, la famille Kassindi, la grande famille Kassindi a le regret de vous annoncer le décès de leur mère, grand-mère, épouse, tante et belle-mère, Madame Malou Moussembi-Wambese Pauline, survenue le mardi et ce matin du 27 janvier 2024 à Kinshasa. En attendant le programme officiel des obsèques, un recueillement aura lieu tous les soirs au domicile de la défunte, 6 avenue Moussoya, numéro 3 bis, quartier Congo, commune de Ngaliema, référence Palais de Marbre. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Ils sont devant un tribunal militaire pour les forfaits commis par eux. Les Koulouna arrêtés sont derrière les barreaux. L'audience foraine d'identification s'est ouverte en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et c'est fait, le secrétaire général à l'Assemblée nationale dispose de tous les dossiers physiques des députés élus provisoirement. La CENI les a déposés par l'entremise de son secrétaire exécutif qui s'est déplacé au Palais du Peuple pour ce faire. Voilà qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Kalamu, dans la ville-province de Kinshasa. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin-Mata. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à tous. Au revoir.